Là. Je voudrais d'abord me présenter, je suis le père Ismaël Matambora, je suis jésuite, je travaille à Kisangani. Et tout d'abord, la nouvelle de sa mort m'a vraiment perturbé, si vous voulez, puisque j'ai été le visiter le jour où il est décédé, dans son lit de malade. Le témoignage, tout d'abord, ce que je retiens de lui, c'est que c'est l'humilité. C'est la piété, comme prêtre, et la proximité avec tout le monde. Alors, je l'ai eu comme prof, comme étudiant en faisant la philosophie. Et une des choses que je retiens, c'est que parfois, il n'hésitait pas d'aller chercher les étudiants qui semblaient traîner les pas. Il arrivait toujours la veille. De son cours, parce que après l'état du voyage, je me dis dans la route qui n'est pas toujours bonne entre Kingombe et Kimwenza. Alors il venait la veille et le matin il était prêt pour enseigner. Et donc, une des choses, quand il voyait que quelqu'un n'était pas encore en classe, il pouvait sortir, aller le chercher, toquer sur sa chambre, que nous voilà, il est l'heure. Ça, c'est une des choses. L'autre, c'est l'encouragement. Une fois j'ai été le voir, j'étais en train de travailler sur mon travail, j'étais aux États-Unis et on a fait échanger quelques emails par rapport à mon travail, comme je travaille aussi dans le domaine social. Et une des choses qu'il m'a dit, c'était que voilà, travailler chaque jour. Méthodiquement. Fait en sorte que chaque jour qui passe, que vous puissiez faire quelque chose qui puisse avancer votre mémoire. Et on a échangé un certain nombre de documents et il était toujours prêt à pouvoir lire la page que je présente pour pouvoir avancer dans tel ou tel autre chapitre. Voilà, donc ça c'est les quelques points, si vous voulez, que je retiens du père Léon de Saint-Moulin. Un homme aussi de grand cœur. Il était proche des grandes personnes intellectuelles, des érudits comme lui, proches aussi des gens moyens, mais aussi des gens pauvres. Comme vous le savez, il a tous les dimanches, quand il avait un cours de fosse, il célébrait à Matete. Et il y a des gens simples qui venaient aussi le rencontrer, écouter, épuiser à sa sagesse. Donc, un homme proche pratiquement de toutes les catégories de personnes. Je suis Matambora, je suis prêtre jésuite, je travaille à Kisangani, je suis vicaire à la paroisse Kisroa de Mangobo et en même temps directeur de notre centre social qui s'occupe de l'éducation, de la promotion des jeunes et la prévention du VIH.